Le sacre se précise, de nouveau impérial lors du sprint samedi à quand Quentin Fillon Maillet n'est plus très loin de s'adjuger la Coupe du Monde de biathlon, un titre qu'il pourrait sécuriser dès la prochaine course prévue samedi. Avec 225 points d'avance sur son dauphin Émilien Jacquelin à quatre épreuves du terme de la saison, le double champion olympique s'est encore un peu plus rapproché du gros globe de cristal avec cette huitième victoire. Il lui suffit désormais de terminer au moins à la 23 e place de la masse Start prévue samedi pour devenir le quatrième français à finir l'hiver en position de N1 mondial après Patrice Bailly-Salin, Raphaël Poiré et Martin Fourcade. Une simple formalité a priori pour le Jurassien qui a survolé l'exercice 2021 à 2022 et n'a pas connu de contre-coup physique ou psychologique après sa moisson historique au Joe de Pékin. Auteur du doublé sprint poursuite la semaine dernière à Contiolati, juste après les jeux et le petit globe de la poursuite déjà en poche. Fillon Maillet a poursuivi sur sa lancée en dominant la course avec un très beau 10 dixième au tir, devançant de 7,2 secondes le norvégien Stourla Lagrid et de 11,1 secondes l'allemand Benedict Doll.